Métabolisme lent ⁇ Comment adapter votre alimentation pour maigrir Le métabolisme lent peut être un véritable obstacle pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. En effet, le métabolisme est un processus par lequel notre corps convertit les aliments que nous consommons en énergie. Si notre métabolisme est lent, notre corps aura tendance à stocker plus de graisse et à brûler moins de calories, ce qui peut rendre la perte de poids plus difficile. Cependant, il existe des moyens d'adapter notre alimentation pour aider à stimuler notre métabolisme et favoriser la perte de poids. La première étape pour adapter votre alimentation à un métabolisme lent est de comprendre les facteurs qui peuvent affecter votre métabolisme. L'âge, le sexe, la taille, le poids et l'activité physique sont tous des facteurs qui influencent la vitesse à laquelle votre corps brûle et calorie. Par exemple, les femmes ont tendance à avoir un métabolisme plus lent que les hommes en raison de leur composition corporelle et de leurs hormones. De même, plus nous vieillissons, plus notre métabolisme a tendance à ralentir. Cependant, il est important de comprendre que notre métabolisme n'est pas complètement fixe et qu'il peut être influencé par des facteurs externes tels que notre alimentation et notre mode de vie. En fait, des études ont montré que certaines habitudes alimentaires peuvent stimuler notre métabolisme et favoriser la perte de poids. L'une des premières choses à considérer est la taille de nos portions. Si nous consommons plus de calories que ce dont notre corps a besoin, l'excès de calories sera stocké sous forme de graisse. Il est donc important de contrôler la taille de nos portions et de ne pas manger plus que ce dont notre corps a besoin. Pour cela, nous pouvons utiliser des assiettes plus petites ou des bols pour nous aider à visualiser la quantité de nourriture que nous consommons. Il est également important de choisir les bons types d'aliments. Les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes et les céréales complètes peuvent aider à stimuler le métabolisme en raison de leur capacité à ralentir la digestion et à maintenir le sentiment de satiété plus longtemps. Les protéines sont également importantes car elles ont un effet thermique plus élevé que les glucides ou les graisses, ce qui signifie qu'elles brûlent plus de calories lorsqu'elles sont digérées. Les aliments riches en graisses insaturées, comme les noix, les graines et les avocats, peuvent également aider à stimuler le métabolisme en raison de leur capacité à stimuler la production de la bile, qui est nécessaire pour la digestion des graisses. Les aliments riches en antioxydants, comme les baies, les agrumes et les légumes verts, peuvent également aider à stimuler le métabolisme en protégeant les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Enfin, il est important de manger régulièrement tout au long de la journée pour stimuler le métabolisme. Si nous sautons des repas ou ne mangeons pas assez souvent, notre corps ralentit le métabolisme pour conserver l'énergie. Il est donc recommandé de manger trois repas principaux par jour et d'inclure des collations saines entre les repas pour maintenir le métabolisme actif. Cependant, il est important de ne pas se laisser emporter par les collations et de choisir des options saines. Les fruits, les légumes, les noix et les graines sont de bonnes options pour les collations car ils sont riches en nutriments, peuvent aider à maintenir le sentiment de satiété plus longtemps les collations riches en sucre ou en graisse ajoutée doivent être évitées car elles peuvent entraîner une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang et une augmentation de l'apport calorique en plus de choisir les bons types d'aliments il est important de manger suffisamment de calories pour maintenir un métabolisme sain si nous mangeons trop peu de calories notre corps ralentit le métabolisme pour conserver l'énergie il est donc important de trouver un équilibre entre les calories que nous consommons et les calories que nous brûlons grâce à l'activité physique en parlant d'activité physique, il est également important d'inclure une activité physique régulière dans notre routine quotidienne pour stimuler le métabolisme. L'activité physique peut aider à brûler des calories et à stimuler la croissance musculaire, ce qui peut aider à augmenter le métabolisme. Les exercices de force, comme la musculation, sont particulièrement efficaces pour stimuler la croissance musculaire. En conclusion, le métabolisme l'en peut être un obstacle pour ceux qui cherchent à perdre du poids. Mais il existe des moyens d'adapter notre alimentation pour stimuler le métabolisme et favoriser la perte de poids. En choisissant les bons types d'aliments, en contrôlant la taille de nos portions, en mangeant régulièrement tout au long de la journée et en incluant une activité physique régulière, nous pouvons aider à stimuler notre métabolisme et atteindre nos objectifs de perte de poids. Cependant, il est important de se rappeler que chaque corps est différent, que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est donc important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout régime alimentaire ou programme d'exercice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'e-mails privés. C'est totalement gratuit et vous permet de rester informé et recevoir régulièrement des astuces minceurs et pour prendre soin de votre corps. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en renseignant votre email. À la prochaine.